Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Pierre Choquel et je suis candidate suppléante de Sébastien Paul Vesch dans la 11e circonscription du Nord pour la France Insoumise. Je vais vous parler ici, au Bois Blanc, de la question des retraités. En effet, Emmanuel Macron prévoit de diminuer des cotisations sociales pour le chômage pour les salariés et de les remplacer par une hausse de la CSG. Pour les salariés, ils payent la CSG, cela ne va rien changer. Mais les retraités payent aussi cette contribution sociale généralisée et ils ne sont pas concernés par le chômage. Donc, cette mesure va entraîner une baisse des pensions. En effet, pour un retraité qui gagne une pension de 1200 euros par mois, la cotisation va augmenter de 245 euros par an. Et M. Macron prétend que c'est une mesure uniquement pour les salariés, pour les retraités aisés. Il a une drôle de définition de la richesse. Alors, que propose notre programme L'Avenir en commun? Tout d'abord, une hausse des petites pensions. Passer le minimum vieillesse au seuil de pauvreté qui est d'environ 1000 euros par mois actuellement en France. Pour les salariés qui ont une retraite, qui ont une carrière complète, eh bien, de passer le niveau des pensions au niveau du SMIC au minimum. Ensuite, rembourser à 100% les soins de sécurité sociale pour toutes les maladies et pas uniquement les maladies les plus graves. Ensuite, un plan d'embauche de personnel médical, personnel soignant dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et aussi dans les déserts médicaux. Enfin, un objectif zéro obstacle pour les personnes en fauteuil roulant ou qui ont besoin d'un déambulateur pour faire leurs courses. Résumons-nous. D'abord, revaloriser les petites pensions, 100% de remboursement sécurité sociale et plan zéro obstacle. Alors pour cela, que reste-t-il à faire? Eh bien, voter France Insoumise pour Sébastien Paul Vesch et Marie-Pierre Choquel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et un petit pouce bleu.